Bonjour et bienvenue sur Bouche TV, le mag. Nous sommes aujourd'hui à l'espace Saint-Jacques. Notre invitée toute la semaine, eh bien, Lydia Joss. Lydia, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'espace Saint-Jacques. Mais c'est avec plaisir. Alors donc, pendant toute la semaine, nous aurons des invités qui vont se succéder. Aujourd'hui, notre invité Emmanuel Quardi, qui représente la CPME. Il nous en parlera dans quelques instants. Tout au long donc, de cette semaine, on aura des invités culturels qui viendront nous parler du jazz aux Champs-Élysées pour demain, par exemple. On aura le président du cyclotourisme également qui viendra nous rendre visite. Et puis, on va parler culture avec toi. D'accord. Donc, tu es responsable de la programmation, c'est bien ça? C'est ça. Alors, déjà, en quoi consiste le rôle d'un programmateur? Et quels sont les lieux de divertissement qu'on peut retrouver ici sur Saint-Quentin? Alors, pour commencer, ma mission, c'est de concevoir le programme des spectacles qu'on propose au public saint-quentinois, mais aussi hors Saint-Quentin, parce que l'objectif, c'est à la fois faire rayonner la ville, mais aussi apporter une offre culturelle pour à la fois divertir, mais aussi faire réfléchir le public et puis mettre en place des projets d'action culturelle à partir des spectacles. Nos publics privilégiés sont principalement les établissements scolaires, les publics éloignés de la culture. Et donc pour mener à bien cette programmation, la ville dispose de 3 lieux de spectacle, 3 lieux complémentaires. Sont le... Avec des jauges totalement différentes. Tout à fait. Donc on a la plus grande salle, donc le Splendide, qui a une jauge de 1100 places. On a une configuration assis-debout qui amène la jauge à 1400 places. Ça nous permet de présenter des concerts à la fois de... Comme Amir, il y a eu quelques semaines de ça. Voilà. Ou alors bientôt d'Anakil, un concert de reggae dans le cadre du festival Haute Fréquence. Un concert plus jeune, voilà, un public qu'on veut toucher également. Le théâtre Jean Villard, donc là une scène plus emblématique par son histoire, par sa structure, un théâtre à l'italienne, le lieu idéal pour l'opéra, donc on en propose chaque saison un voire deux. Alors accueillir un opéra, c'est quelque chose d'assez conséquent, d'assez lourd, c'est toujours un événement pour nous. Là on vient d'accueillir un opéra plutôt comique qui s'appelait Yes, et en février on aura La flûte enchantée de Mozart. Et au théâtre Jean Villard, on présente aussi du théâtre plutôt classique, mais aussi des spectacles qu'on a vus à Avignon, des découvertes, un spectacle qu'on pourra en parler avec un de nos invités autour de la figure de Jacques Anquetil par exemple. On essaie toujours de développer des projets autour de nos spectacles. Et c'est ce que tu vas nous expliquer tout au long de cette semaine. D'accord. Alors, notre invité aujourd'hui, j'en parlais, il n'est pas dans la culture, il est dans l'économie. On va lui passer le micro, c'est Emmanuel Quardi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Ludovic. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation, parce qu'en fait, c'était important d'expliquer un petit peu ce qu'était votre... comment on appelle, association? C'est une association syndicat. À la base. Notre vocation, c'est d'être un syndicat patronal. Et on est ce qu'on appelle une organisation patronale interprofessionnelle représentative. C'est très compliqué, mais ça s'explique très simplement. En fait, il y a en France 3 organisations patronales représentatives interprofessionnelles, c'est-à-dire qu'on couvre tous les secteurs d'activité, à l'inverse de ce que l'on peut trouver dans les fédérations professionnelles ou les branches professionnelles qui ne traitent qu'un seul métier. Nous, on est capable de couvrir les problématiques de l'ensemble des activités professionnelles. Alors, votre activité, c'est d'accueillir des petites et moyennes entreprises, de les accompagner, c'est de les conseiller, de les représenter. C'est quoi exactement votre... Notre vocation, en fait, c'est d'être vraiment à l'écoute du chef d'entreprise tout au long de son parcours, de la création jusqu'au moment où il va rencontrer des événements qui vont faire que sa société va grossir ou qu'il va rencontrer des difficultés. Notre combat à nous, c'est éviter que le chef d'entreprise reste seul dans son coin, isolé. Donc on est là pour l'accompagner au moment de sa croissance, comme au moment où il peut rencontrer des situations, des difficultés, pourquoi pas. Et le fait que nous soyons une organisation professionnelle représentative nous permet de siéger dans de nombreuses instances. Donc nous avons des mandats à la CPAM, à la CAF, à l'URSSAF, au RSI,
On entend beaucoup parler de VRSI en ce moment. On a des représentants de la CPME, donc du patronat réel, c'est-à-dire ce qu'on représente, les chefs d'entreprise, principalement les chefs d'entreprise patrimoniales, c'est-à-dire ceux qui ont investi leur temps, leur argent dans l'entreprise pour se faire accompagner par des collaborateurs avec qui ils vivent au quotidien, en fait. Alors, nous sommes présents dans la quasi-totalité des instances et nous pouvons apporter des solutions à tout moment. Alors, comment votre intersyndicale, votre CPME, a réagi par rapport aux nouvelles directives de la loi travail? Alors, on va dire les choses très clairement. Le fait d'être représentatif, ça nous permet d'aller discuter au niveau national. Notre président François Asselin peut aller discuter directement avec les ministres concernés. Et pendant tout l'été, on a eu une période de discussion où les trois organisations patronales interpro et les cinq syndicats de salariés ont été entendus. Et il faut dire que les textes que l'on a pu voir dans les ordonnances, en fait, si on relit bien les documents, c'est à peu près les propositions que l'on avait formulées. C'est-à-dire qu'on va aller dans le sens des petites et moyennes entreprises, puisque enfin, je pense que les pouvoirs publics ont compris que c'était les TPE et les PME qui pouvaient recruter aujourd'hui et relancer l'économie. Alors, quel est justement, vous, sur le département, les relations que vous pouvez avoir avec les représentants des salariés? Les relations sont cordiales. On se rencontre plutôt dans les instances régionales, puisque c'est là où on va décider des choses les plus importantes. On a des relations cordiales avec eux. Vous savez, dans toutes les organisations dites paritaires, on travaille ensemble avec les syndicats de salariés et on discute ensemble des difficultés pour trouver des solutions ensemble. Et ça peut être le cas à la CAF, ça peut être le cas à l'URSSAF, ça peut être le cas dans tout ce qu'on appelle les organisations paritaires, où on trouve un vrai partenariat entre les salariés et les patrons. Alors, sur l'ensemble du département de l'Aisne, vous représentez à peu près combien de petites et moyennes entreprises? Alors, pour nous, c'est important de le signaler. Nous, c'est la volonté du chef d'entreprise d'adhérer chez nous. C'est-à-dire qu'on ne contraint pas, aucun texte de loi ne contraint le chef d'entreprise à nous rejoindre. Et nous sommes aujourd'hui 250 chefs d'entreprise sur le département qui décidons tous les ans de renouveler cette adhésion, puisque nous sommes une association et nous vivons essentiellement des cotisations des adhérents. Alors donc, pour les petites et moyennes entreprises qui nous regarderaient aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous contacter et comment on peut justement vous rejoindre? Alors, les coordonnées, on les trouve très simplement sur les sites internet. On est recensé dans les pages jaunes, il n'y a pas de difficulté. Moi, vous pouvez trouver mon nom en tapant mon nom sur Google. Je pense que vous allez trouver directement mon numéro de téléphone. Et c'est facile de me joindre et je réponds à toutes les demandes. Donc, n'hésitez pas. Je tiens à le dire, puisque j'ai l'occasion en étant ici, ne restez pas isolés. Les chefs d'entreprise doivent être conscients que leurs difficultés, ce sont les difficultés que peuvent rencontrer les autres. Et quand on a un moment où on veut faire de la croissance dans l'entreprise, on n'est jamais aussi bien accompagné que quand on est accompagné par ses pairs, donc les autres chefs d'entreprise. Eh ben, je pense que le message a été entendu. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Merci, Ludovic. On va refermer cette émission avec Lydia, qui va récupérer le micro. Alors, Lydia, on parlait en aparté tout à l'heure des différents lieux que la ville propose pour les spectacles. Mm-hmm. On a oublié quand même volontairement de oui. parler de cette manufacture qui est en cours, puisque la première pierre a été posée. Voilà. Donc, tout à l'heure, effectivement, nous avons évoqué le Splendide puis le Théâtre Jean Vilar. Maintenant, place à la manufacture. La manufacture, c'est une salle, un théâtre de poche de 120 places qui aujourd'hui fonctionne en hors les murs, puisque l'activité en fait, du projet manufacture se déroule au Centre Social Europe. Et on a trouvé donc un site sur le site GESPAL près du Centre Social Vermandois, donc toujours une implantation dans le cadre d'un quartier. Donc la manufacture a effectivement posé sa première pierre le 8 avril dernier avec la compagnie Générique Vapeur. On a mené un projet d'accompagnement. Et vous pensez l'ouvrir pour quand? Alors, voilà, j'y viens. C'est vraiment un projet qui s'implante. Voilà, on amène le public. Et l'ouverture prochaine est prévue septembre 2018.
D'accord. Voilà. Pour la prochaine rentrée, saison. La prochaine saison. Donc là, puisque tu es en charge de la programmation, je suppose que tu es déjà en train de travailler du coup à la programmation de l'ouverture. Exactement. Alors, je commence à réfléchir aux différentes pistes, mais ce qui est encore plus important, c'est de bien définir le projet artistique et culturel de cette salle. Ce projet est en phase de rédaction. On va le terminer à la fin du mois. Poser les bonnes bases, les bons objectifs et notre volonté, c'est de fédérer un maximum d'acteurs culturels autour de cette nouvelle salle de spectacle. Et donc, quelle orientation vous allez lui donner à cette salle ? Alors, la manufacture aura pour vocation d'être une salle dédiée aux musiques actuelles et à la création. D'accord. Alors, la création... Donc là, on ne parle que de musique, on ne parle plus théâtre. La création, en fait, dans des genres complémentaires, ça pourra être du théâtre, d'accord, mais la ligne devra être plutôt moderne. Une esthétique vers les jeunes, voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler cette semaine, puisque nous sommes ensemble jusque vendredi. Oui. Voilà, donc tu restes avec nous. Très bien. Demain, on se retrouve ici avec Nicole Dutfois et on parlera jazz. Oui. Super. Merci. Merci à toi, Emmanuel, d'être venu nous rendre une petite visite. À demain sur Bouge TV.